ONG Vivre Mieux, Dameu Rabitan. On y va. C'est pas tout ce que tu vois dans la vie que tu dois manger. Il y a des couleurs de vêtements que tu ne dois pas porter. Je dis, il y a des nourritures dans la vie que tu ne dois pas manger. Horoscope du jour, dimanche 28 avril 2024. Bélier, vous serez heureux en couple et ne jalouserez personne. Les as vous protégeront des querelles et vous pourrez enfin vous accorder du temps à deux, sans craindre les décrets de voix. Taureau, superbe journée au cours de laquelle votre forme va être payante dans le domaine sentimental. Vous saurez profiter de vos proches en leur consacrant toute votre énergie. Un vent de chance matérielle vous permettra de sortir la tête de l'eau. Gémeaux, votre comportement tout en contraste peut vous faire vivre le meilleur comme le pire. N'êtes-vous pas épuisé par cet effet yo-yo, prenez le temps de vous fixer un objectif qui vous permettra d'avancer. Cancer, vous forcerez l'admiration de votre partenaire grâce à votre maîtrise dans les situations critiques. Il va y avoir de l'animation dans votre vie conjugale. L'ambiance sera chaleureuse et sensuelle. Célibataire, vous aurez de grandes chances de faire une rencontre marquante cette fois. Lion, l'ambiance du jour est régie par la maîtrise et le sang-froid dont vous faites preuve face à la grande vitalité de vos enfants. Les astres vous donnent un regain d'énergie fabuleux. L'entente familiale est joyeuse et pleine de tendresse. Vierge, possibilité de rencontres virtuelles, insolites et excitantes pour les cœurs solitaires. Roucoulade pour les couples. Des moments agréables sont en vue pour tous les natifs du signe. Mais attention, il pourrait y avoir des malentendus avec certains membres de la famille. Balance, restez positif. Si vous êtes célibataire, vous rencontrerez bientôt une personne qui saura vous apprivoiser. Votre charme sera en hausse et on ne saurait tarder à le remarquer. La vie de couple sera agréable si vous faites un effort de communication. Scorpion, vous aurez du mal à vous entendre avec certaines personnes de votre proche entourage. Vous aurez l'impression de ne pas vivre sur la même planète. Ne cherchez surtout pas à imposer vos idées. Après tout, rien ne vous empêche de vivre en bonne entente avec des personnes qui ne partagent pas votre façon de voir les choses. Sagittaire, des moments superbes vous attendent, que vous soyez célibataire ou pas. Sachez les reconnaître et les apprécier. En famille, le climat est au beau fixe aussi. Le secteur financier se porte bien et il n'est pas impossible que vous obteniez une prime, voire une augmentation de salaire. Vos efforts de ces dernières semaines ont fini par payer. Continuez. Capricorne, malgré vos soupçons, votre partenaire vous donnera une belle marque d'affection. Vous n'avez pas de raison d'être inquiet. Pourvu que ça dure, reprenez confiance, célibataire. L'attitude que vous avez adoptée ces derniers jours ne favorise pas les rencontres. Personne n'ose vous approcher. Verseau, vous irez jusqu'à l'affrontement pour avoir le dernier mot. Êtes-vous sûr d'être prêt à risquer l'harmonie de votre couple et de votre foyer? Franchement, laissez à chacun le droit de penser différemment et ne vous offusquez pas des différences qui existent. C'est parfois ce qui fait la beauté et le piment de la vie aussi. Poisson, les rapports de complicité et de tendresse avec votre entourage l'emportera sur tous les autres domaines. Vous vous laissez bercer par cette chaleur humaine et retrouvez le sourire. La vie de famille sera un véritable cocon et vous n'aurez aucune envie d'en sortir. Si vous vivez seul, vous pourrez compter sur vos amis pour vous apporter le soutien nécessaire. Dameu Rabitan, visionnaire astrologue, vous souhaite une excellente journée dominicale
Je vous informe que le mardi prochain, dans l'enceinte de l'arrondissement de Saint-Vier, aura lieu une séance spirituelle avec les artisans et les commerçants. Cela leur permettra de ne plus manquer de la clientèle, de fidéliser leurs clients et également d'économiser pour pouvoir réaliser dans leur vie. Alors, ne ratez pas cette séance. Vous êtes commerçant ou artisan. Frais de participation 5000 francs donnant droit à un savon de chance que vous allez juste laver la tête avec, faire vos vœux et vos activités vont prospérer. Chers amis, sachez que dans le mois de mai qui se pointe, nous avons 3 signes qui seront moins chanceux. Bélier, Lion et Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire, nous vous conseillons l'utilisation du parfum Salomon. Et quant aux autres signes, Taureau, Gémeaux, Cancer, Vierge, Balance, Scorpion, Capricorne, Verseau et Poisson, vous devez savoir que vous êtes les 9 signes chanceux dans le mois de mai. Et pour en profiter, nous vous demandons d'utiliser le savon Sachiel. Le savon Sachiel va accélérer vos activités, vos entrées financières et vous allez vivre mieux. Ce n'est pas tout. Du 4 au 5 mai, nous organisons la prise du Fa, que nous appelons Fatiqué. Et cela pour tous ceux qui, en tant qu'homme, vous devez savoir que c'est très important de faire son Fatiqué. Et pour ça, ça serait le 4 et le 5. Et le mieux, c'est de vite s'inscrire pour faire partie quand même des privilégiés. Et pour faire partie des privilégiés, vous devez tout juste savoir que vous aurez à payer 175 000 francs pour bénéficier de cette initiation, pour bénéficier de cette tradition qui vous permettra de vivre mieux. Pour tout renseignement, chers amis, appelez le 94-33-78-78. Mais nous profitons pour vous informer aussi que nos amis du signe Taureau feront leur bain de purification de l'aura et du réveil de l'étoile le vendredi 10 mai. Le vendredi 10 mai, ça serait au temple des grandes victoires à Révier de 7h à 23h. Ça serait à Boïcon et à Paracou de 7h à 21h. Pour tout renseignement, appelez-nous au 94-33-78-78. Je vous remercie et que les bénédictions soient.